Bonjour à tous, c'est Zerato31, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle ouverture. On va s'ouvrir le deck des dieux égyptiens Obélisque, le Tourmenteur et un petit booster Speed Duel. Donc, on va commencer par le booster Speed Duel, les épreuves du royaume. Donc, dans ces boosters, il y a 4 cartes par pack. Donc, nous avons double cyclone, masque de Tutan, Flint et assaut sur le quartier général. Hein, sont brillantes? Non, mais c'est juste une rare. Enfin, une normale. Mais très sympa. Donc voilà pour ce petit booster. Et on passe à ce qui nous intéresse le plus, le deck de structure des dieux égyptiens Obélisque le Tourmenteur. Donc la dernière fois, j'avais ouvert celui de Slifer. Donc voilà comment il se présente. Et c'est parti pour l'ouverture. Donc le poster, c'est le même, il me semble. Ouais. Donc on a Slifer et Obélisque. D'ailleurs, l'artwork du deck est très beau. Alors, toujours du mal à ouvrir ces decks. Normalement, il y a un truc pour l'ouverture facile, mais j'ai toujours du mal à les trouver. On va y aller au ciseau, ça va être plus rapide. Alors, nous avons Obélisque, le Tourmenteur, Croisement d'âme, Point du Destin, L'évolution de Dieu, Mur de résistance de niveau. Donc ça, c'était des cartes ultra rares. Là, on passe aux super rares. Ange 01, Marmar, oui. Le plumeau de Damarpi en super rare. Donc c'était les cartes super rares et on passe aux cartes communes. Donc nous avons Momonga Agile, Bazou le mangeur d'âmes, Cyberdragon. Un autre Momonga et encore un autre dragon squelette cuirassé, super méga agile hamster, mandragore colonie du mal, tigre photon en deux fois, salamandra colonie du mal, disciple de rat en trois fois. Dragon démasqué, castor agile, sorcière condamnée, Gizmec Uka, le renard festif de la fécondité, Gizmec Makami, la forteresse à crocs féroces. On passe aux cartes magiques, contrôle cérébral. Monster Reborn, capsule d'une autre dimension, pot d'avarice, double invocation, Graal interdit, lance interdite, tenue interdite, unité de ravitaillement, la tempête des monarques. On passe aux cartes pièges avec appel de l'étrangeté.
duplication des clones, force et force de miroir de la noyade. Donc après, on a les cartes promo pour Duel Links, pour le jeu sur Switch et pour le prochain booster qui sera la Cour du Roi. Donc c'est un assez bon deck, je trouve, il y a pas mal de cartes très sympas. Et de bonnes rééditions. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à commenter. Sur ce, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt.